Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. La dernière fois, nous avions échappé à Muna, sauvé Matt, mais malheureusement, certes, on a échappé aux sbires, mais le grand chef Kyurem s'est ramené et nous a mis une putain de raclée. À quel point que, Trioxydre est morte, entre guillemets, hein, parce qu'il l'a gelée et éclatée. Et mon personnage était totalement KO. Et du coup, on va reprendre à ce moment-là où ils ont été retrouvés par notre équipe de secours qui était venue à notre secours pour nous ramener à la maison. Et vous allez avoir un résumé sur moi. Oh, même pas. Ah, c'était Trioxydre sûrement. Ou alors les autres humains. Ah non, d'accord, arc-en-ciel, ok. Ouais. Ça aurait été une lumière jaune, ça aurait été les autres humains, mais là, ouais, c'est aussi. L'éternel optimiste.
C'est dingue à quel point il ressemble au vrai, Matt. Il porte bien son nom, malgré qu'il se fasse capturer. C'est vrai qu'il suffirait de rendre heureux de nouveau les gens, en fait. Simplement. Comme ça, le néant gelé perdrait de ses pouvoirs, et puis... Voilà. Comme une tumeur qu'on traite au fur et à mesure du temps. Ok. On va enfin retourner à notre base. On va faire évoluer tous les compagnons, du coup. Ce serait très drôle de voir tous nos alliés aussi qu'on a recrutés y aller, mais bon.
Ouais, c'est ça, il connaît l'avenir. Victini? Et non. C'est sûr. C'est pareil pour tout le monde. Franchement, cette histoire, elle a de quoi faire réfléchir et tout. Le scénario est beaucoup mieux ficelé que dans n'importe quel Pokémon genre mystère. Hein. Même si le jeu paye pas de mine, au niveau de certains trucs. Je veux vivre! Onchio est donc Nico Robin. Thank you.
Bah les trucs qui nous téléportent là. Salut Aurébi, j'ai pas le son. Comment ça? Il est en étude. Allez faire coucou. Merde, j'ai pas enregistré du coup. J'étais tellement à fond dans l'histoire que j'ai pas fait attention qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans le chat. Du coup, sauvegarde, continuer. Du coup. J'ai plein d'objets. Ouais. On peut même pas aller s'entraîner du coup. Je peux faire ça. Alors, on va prendre. Ah, j'ai trois rubans joie maintenant. Hop. Bandana force plus et ruban spé pour Emolga, vu qu'on est obligé de les prendre dans tous les cas. 5, 6, 7 et 8. J'ai que 2 résugraines, ça va être extrêmement mauvais. J'entends les discus chez l'infirmière. Bah bravo! Je vais prendre une échappe orbe au cas où. Esquive orbe, force orbe. Pas une forme morme.
Éviter les maisons de monstres. C'est pas méga donjon mystère. Y a pas de méga Pokémon dedans, c'est le spécial de la cinquième génération. Bah oui, si t'écoutes pas. Sinon ça va être compliqué d'écrire. C'est chiant de m'arrêter pour écrire dans le chat à chaque fois. Oui. Aussi. C'est même mieux. C'est quoi ce type insecte? Dojo insecte, ça. Après, je peux échanger. Des lingots contre des résugraines. Je vais faire que ça. Il m'a fait 15 résugraines. Avec ça, je pense que je serai bon. D'objets. Plus que 6 à acheter. Faut bien qu'ils servent à quelque chose les lingots parce que je les aurais jamais utilisés sinon connaissant. Hop là. Et du coup, on va retirer. Encore une résugraine, voilà. Du coup, on est bien. Je ne suis pas rassuré. Il vaut mieux sauvegarder avant quand même parce que ce serait con de devoir rééchanger tout ça. Et on en est à 25 minutes. Ah! On va faire le départ. Et puis je pense que ce sera du coup c'est le grand final du coup, ouais, ok. Bon, et bien sur ce, dans tous les cas, on va se retrouver dans 4 jours pour le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de tout ça. L'épisode a été un peu plus court, mais bon, le dernier épisode a été un peu plus long. On équilibre les choses. Allez, salut à tous.